tous. Quelle formidable journée de basket. En attendant l'équipe de France féminine en finale du championnat d'Europe. En attendant la finale de Pro A entre l'équipe d'Orléans et l'équipe de l'ASVEL. C'est la Pro B qui investit Bercy. Bonjour Jacques. Bonjour David. Avec face à face une équipe mythique, multi-médaillée. La dernière équipe, la seule championne d'Europe, Limoges, qui peut revenir en Pro A. Et Poitiers qui connaît ce rendez-vous, qui était déjà en finale l'année dernière. Et en plus, c'est un derby, on a tout, absolument tout. C'est vrai, deux villes si proches, deux clubs si différents. On a tout, on a Poitiers qui revient ici à Bercy. Ils avaient mal vécu le truc l'année dernière. Limoges a tout gagné en France et en Europe. Et aujourd'hui, ils échangeraient tout pour cette victoire. On regarde tout de suite comment ces deux équipes se sont qualifiées. L'équipe de Poitiers a terminé à la deuxième place derrière Paris, qui à ce titre d'ailleurs a déjà en poche son billet pour la Pro A. Pour Poitiers, ça n'a pas été forcément très simple parce qu'il y a eu deux séries de play-offs gagnées, 2-1 face à Nantes, puis face à Bourg-en-Bresse. Du côté de Limoges, qui n'a fini qu'à la 5e place, eh bien tout a changé. On a changé d'ailleurs pas mal de choses dans l'équipe, Jacques va vous en parler. Et Limoges est invaincu en play-off, a battu Clermont et ensuite a battu cette équipe de Paris-Levallois. Voilà pour le parcours de ces deux équipes. Oui, deux équipes qui vraiment méritent d'être là, on peut le dire, sur les play-offs. La dynamique Limoges, la cohérence Poitiers, Pictavienne plutôt, et bien on va voir, illustré par deux joueurs, Aurélien Salmon et Sylvain Meunier. Si ces deux-là prennent feu à 3 points, et bien ils feront gagner leur équipe. Aurélien Salmon a bénéficié de l'arrivée de Stephen Bradford. Sylvain Meunier partage avec Rachid Wright le côté pistolet rond. On regarde les deux 5 majeurs. On commence par celui de Poitiers. Avec le petit Cédric Gomez à la main, avec Rachid Wright en poste 2, Lamine Kanté en poste 3, Pierre-Yves Guillard le combattant en poste 4 et Kenny Younger, formidable scoreur, en poste 5. Et en face, pour Limoges, avec Vincent Mouillard à la main, un gage de sécurité, Darnell Hinson, l'explosif, en poste 2, Aladji Mohamed en poste 3, formidable shooter, Aurélien Salmon et Stephen Bradford, le socle de cette équipe. Et à nos côtés, il y a l'entraîneur de cette équipe de Limoges qui a pris l'équipe en cours de saison, Éric Girard, et qui a complètement modifié le parcours. Éric, Poitiers a l'habitude de cette finale, ils étaient déjà là. Sur la saison régulière, ils ont été plus forts que vous, mais vous avez la dynamique avec vous. Oui, tout à fait. Puis comme tout le monde le sait, une finale, ça n'a rien à voir avec un championnat. On a des joueurs qui ont maintenant quand même, qui sont déjà venus à Bercy aussi avec des clubs précédents. À nous de jouer ce match 40 minutes dans la même dynamique que l'on a joué le début des playoffs. Merci beaucoup Eric. Alors pour information Jacques, cette saison, Poitiers a battu 2 fois Limoges. Et d'ailleurs, Poitiers reste sur que des victoires, 6 victoires de suite depuis 3 ans face à Limoges en Pro B. Oui, enfin non, la première année, il y avait eu partage. Mais... Oui, en National 1. Même la première année de Pro B, je crois. Non. On écoute la Marseillaise. Salut, et nous allons attraper au vol
Rudy Nelhomme, l'entraîneur de Poitiers que l'on n'a pas encore entendu. Rudy, c'est une deuxième finale autant de l'année dernière. L'équipe n'avait pas l'expérience de ce genre d'événement. Là, c'est la même ossature. Vous avez cette expérience qui peut-être vous manquait. C'est l'année. Oui, je pense que c'est l'année. On a fait une belle saison cette année. On a confirmé. On était passé un petit peu à côté de notre finale l'année dernière, mais tout ce qu'on a vécu cette année nous a renforcé mentalement, physiquement. Et on est prêt ce soir à en découdre pour cette fameuse montée en proie. Ça peut jouer sur quoi? Ça peut jouer sur pas mal de détails. L'entame, le rythme, être tout de suite prêt à jouer, parce que c'est une équipe athlétiquement et physiquement qui a vraiment du répondant. Mais ça va surtout se jouer dans la tête, parce que inévitablement, on n'a rien envie de lâcher ce soir. Merci beaucoup, Rudy. On va voir ce que Jacques Monclar en pense justement de ce petit truc qui peut faire basculer un match. Jacques, vous nous proposez les clés du match pour les deux équipes. On commence justement par cette équipe de Poitiers. Eh bien, pour les Pictaviens, il faudra bien vivre Bercy, on le sait. Ça s'était passé moyen l'an passé. L'adresse de Sylvain Médier, de Rachid Wright, quand ces deux-là mettent dedans à 3 points, Poitiers pas bon à prendre. Et contrôler le tempo. Mais Poitiers est une équipe qui n'aime pas obligatoirement jouer très vite. Et en face, là ? Côté Limougeau, côté CSP, trouver du rythme à l'inverse. Cette équipe-là peut aimer courir. L'impact de Stéphane Bradford, qui a libéré Aurélien Salmon notamment, qu'on voit l'aperçoit à l'écran. Et enfin, alterner le jeu intérieur-extérieur. On sait que Darnell Linson ou Aladji Mohamed peuvent être gourmands. On regarde le trio d'arbitres avec Joseph Dissang au centre, avec David Chambon et Stéphane Gueux à ses côtés. On écoute ce qui se passe sur le banc de Limoges. Les deux 5 sont sur le parquet. C'est parti pour cette finale de Pro B entre Poitiers et Limoges. Une centaine de kilomètres séparent ces deux villes. Mais par la fameuse route de Bellac. Apparemment, vous maîtrisez plutôt pas mal. Ouais, mais enfin, il n'y a pas grand monde qui la maîtrise. Si vous êtes derrière un camion, vous faites les 100 bornes derrière le camion. Joseph Vissang au centre, c'est parti. Et c'est Cédric Gomez qui met en place la première attaque pour Poitiers. Avec le duel instantanément entre Kenny Younger et Stéphane Bradford. Oula. Et premier coup de sifflet de Joseph Bissang. Et c'est Aladji Mohamed qui n'a pas défendu son intérieur et qui a été pris par Joe Bissang. À 3 points. Superbe, et on Dieu sait que Rachid Wright aime mettre son premier shoot, lui qu'on a souvent vu avec Vichy sous les ordres de Jean-Louis Borg. C'est
finaliste des As l'an passé. Oh, bien joué, Stéphane Bradford à l'ancienne, qui fait signe aux supporters de Poitiers du silence, s'il vous plaît. Pierre-Yves Guihard. Pierre-Yves Guihard et la faute de Aurélien Salmon. Oui, bien sifflé par David Chambon. C'est vrai qu'Aurélien s'est aidé du genou. Déjà là, avec les bras, c'est suspect. Et maintenant, il passe trop dessous. Premier lancé. J'allais dire réussi. Non, pas, ça pas, ressort. Pas Vénard. Pierre Guillard qui a besoin de prendre confiance. Voilà qui est fait. John Press pour ralentir la montée de balle. Avec un retour en zone sans doute. Voilà qui est fait. Avec Kanté devant, hein, David. C'est intéressant. Guillard qui va avoir deux lancers avec la faute de Stéphane Bradford. Et un repli défensif douteux d'Aurélien Salmon qui avait pris le shoot de côté et qui n'est pas revenu dans l'axe. Ce dont a profité Pierre-Yves Guihard dans l'axe. On le voit ici, il provoque la faute de Bradford qui essaye de s'opposer mais avec un temps de retard. Très belle trajectoire, hein, très belle trajectoire de... Du shoot de l'intérieur, Pictavien. Deuxième meilleur joueur français cette saison, Pierre-Yves Guihard. Hein. Ah ben c'est une valeur référencée dans les intérieurs, bien sûr, de Pro B. Et pourquoi pas de Pro A l'année prochaine. À 3 points. Non, c'est raté. Et qui ressort avec cette balle? C'est finalement Cédric Gomez. La vitesse de Cédric Gomez qui ressort pour Lamine Kanté. À 3 points, non, fin de shoot, il va au bout, Guihard, c'est raté. Et la balle sera toujours pour Poitiers. Ah, ils ont raté Rachid Wright à gauche là-bas qui était démarqué. Les hommes de Rudinette, Cody Vellum. On a un côté Limoujo. Cédric Gomez. Et Joseph Vincent qui lui a... signalé, attention aux portées de balle et attention aussi à l'adresse longue distance de Cédric Gomez. Super shoot, ça a triché sur l'écran. Il a bien lu le truc. Prends ses appuis maintenant. Bravo Cédric. À 3 points, Mohamed. Ouh, quelle sauce d'Aladji Mohamed. Ce qui est formidable, c'est que le CSP a mis la balle une fois à l'intérieur sur la première attaque. Et depuis, ils n'arrêtent pas d'envoyer des olives à 3 points. Aurélien Salmon avec Inson. Bien défendu de la part de Pierre-Yves Guihard. Il restera 2 secondes sur la possession. On voit le scotch de Guihard sur Inson. Le sosie de Mike Tyson. Et la balle ligne de fond pour le CSP, hors, le voilà. Hors tatouage sur la figure, quand même. Et au buzzer, c'est raté pour Aladji Mohamed. Cédric Gomez. Le Poitiers basket est quand même mieux rentré dans la partie que le CSP. Et Rudy Lhomme nous disait que c'est important, Jacques. Hein. Ah oui. Alors que là, Aurélien Salmon gêne. Le jeu de Pierre-Yves Guihard, relance de Vincent. Oh là, la reprise. Reprise. Fumble. Lui qui était à Paris la saison dernière. Formé à Cholet. Qui avait vécu l'aventure de Quimper. Cédric Gomez qui pose son système. Gomez, bien. Et le 3 points raté de Kenny Younger. Vincent Mouillard essaye de mettre de la vitesse. Aurélien Salmon. Darnell Inson.
Aurélien Salmon à 3 points et 3 secondes dans la raquette. Et c'est SP qui n'a mis qu'un petit panier sur 6 tentatives. Rachid Wright, Pierre-Yves Guillard, Flamin Kanté, Kanté qui pénètre, qui va garder la possession. Et voilà qui peut faire du bien aussi avec la rentrée de Passav Dukteil, solide Gaillard, qui va permettre à Bradford peut-être d'être soulagé des tâches obscures. Et le voilà qui nettoie. C'est son job et il le fait plutôt bien. Johan Passav Dukteil. Vinson. Rendez-vous compte que Limoges n'a marqué que 2 points seulement en 4 minutes de jeu pour attaquer cette partie. Et ce n'est que grâce à leur défense qu'ils arrivent à ne pas être décrochés d'entrée. Il n'y a rien là. Allez. Vinson. Pour Aladji Mohamed. Trop gourmand, l'écran dans le dos avait marché, mais il y avait une bonne anticipation de Younger. Il faut aussi que le CSP avale la semaine qu'ils ont dû passer alors qu'il y a zone côté Poitiers. L'attente est tellement terrible dans la capitale limousine que les joueurs ont dû être sous pression quand même. Il faut évacuer tout ça. Et c'est un garçon comme Bradford qui peut les aider à évacuer tout ça. Passav. Marché. Troisième balle perdue pour le CSP. Alors que le Poitiers n'en a pas perdu une, David. Gomez. Et autant avant match, les supporters de Limoges gagnaient à l'applaudimètre au niveau des décibels. Autant là, ce sont les supporters de Poitiers que l'on entend beaucoup plus fort. Et ça continue avec Pierre-Yves Guillard. Il a beaucoup appris l'an passé, Pierre-Yves. Et là, ma foi... Il est présent. Il est plus que présent. Et ça nous fait un 7-0. Ben voilà. Il y avait deux partout. À l'intérieur, la puissance, mais il ne peut pas aller au bout, obligé de ressortir cette balle. Mohamed, renversé. Vincent Mouillard, au buzzer ! Il fait du bien celui-là, avec une belle alternance de jeu et des transferts du côté du CSP. Pas mal le cross. Joli, hein ? Joli ! Lamin Kanté, en 1 contre 1, qui a effacé son vis-à-vis. Complètement, magnifique. Ça prend du rythme. Il va le prendre. Limoges est rentré dans le match. Ça y est, ils ont avalé la présence à Bercy et ça joue. Cédric Gomez, Kanté, Guillard à l'intérieur, ballon récupéré par Vincent Mouillard qui passait dans les parages. Et très belle défense de Hinson et Aladji Mohamed. On sait que c'est un bel attaquant, vous avez vu. Dès qu'il a la balle, le défenseur vient dans ses pieds. On sait qu'il peut dégainer à 3 points. Je ne vous ai pas beaucoup entendu au début, Jacques. Vous avez précisé que c'était le frère de Nazir Mohamed. Pas encore. Je voulais en parler. Alors non. Voilà. Vous connaissez mieux son frère que moi. Nazir Mohamed, ouais, une belle carrière NBA. Pas avec le même gabarit puisqu'il jouait pivot du côté de San Antonio, du côté des Knicks et d'autres équipes. Encore. Ouais, il a été coéquipier de Tony Parker aux Spurs. Complètement, ouais. Hinson, ballon perdu. Il a du gaz, Lamine Kanté, il a du gaz. Ah oui. Et il se fait un peu fracasser par Johan Passav. Sous regard en connaisseur de Apollo Faye. En voilà un qui serait né 20 ans plus tard. Il aurait joué en NBA à tous les coups, Apollo. Formidable pivot de la première époque du CSP. Vainqueur de 2 Corach avec le CSP et du premier titre aussi. Et de l'équipe de France où vous l'avez côtoyé. Ah, plutôt longtemps, oui. Lancé pour Lamin Kanté, ce joueur que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup et qui s'illustre depuis le début du match, qui a été formé au Mans avant de jouer à Chalon sous les ordres de Greg Beugnot.
il y a deux ans, deux saisons, et donc c'est la deuxième année qu'il joue à Poitiers maintenant. Et sur lancé franc, toujours cette zone 1-2-1 qui revient en 2-3 après. Randal Meda. Almeida. Oh, attention. Passave, pas passé loin de l'interception. Et le dunk de Aladji Mohamed, ligne de fond. Il apporte des choses, Passave. Dans la fixation, là, il monte au shoot, il voit Mohamed tout seul sur la ligne de fond. Il n'y a qu'un dunk, Mohamed qui met pression sur Kanté. Cédric Gomez, victime de la faute. Le voilà, Cédric Gomez, qui avait l'air parfaitement décontracté hier. Ouais, il était bien dans le truc, ouais. L'enfant de Lavelanet, c'est pas commun, ça, pour un basketteur, de sortir de Lavelanet. C'était rigolo, il nous disait qu'il était seul là-bas à jouer au basket. Je lui dis, mais avec qui tu jouais? Il me dit, mais je jouais tout seul. On revoit le dunk de Mohamed est lancé pour Cédric Gomez, qui est le deuxième meilleur passeur de Pro B cette saison, avec pas loin de 6 passes par match. Il avait vécu une finale de Pro B l'année dernière douloureuse. Il avait perdu son papa juste avant, quelques jours auparavant. Et là, il a envie de croquer dans cette finale, Cédric Gomez. Voyez les supporters de Poitiers. Le sixième presque homme. 2000, ouais. Le sixième homme. Mais ils sont sixième fois 2000. Hein. 19 bus pour monter jusqu'à Bercy et beaucoup de voitures particulières et presque 2000 supporters donc de Poitiers. Et avec cette zone presse, ils obligent le CSP à arriver sur le jeu placé. Alors que des Hinson, des Dalmeida, des Mohamed, ça aime courir. Il aurait pu prendre le shoot d'Armel Hinson. Le voilà, Randal Meda, l'ancien Palois. Oh, c'est mal joué, Edran, il fallait shooter. Le petit Rann formé à Pau Nord-Est, club qui vient de fusionner d'ailleurs avec l'Élan Béarnais. Ils avaient un accord de partage d'équipe, mais maintenant ils vont fusionner. Cédric Gomez. Cédric Gomez, Guillard et Marché. Sur le drive de Kenny Younger. Qui avait fait un gros sauce hein, quand même, David. Alors que c'était plutôt bien joué de la part de Pierre-Yves Guillard et Cédric Gomez. Ouais, mais là, il l'avait dans le désordre, il a même fait 4 appuis. Le voilà, Randal Meda, qui a connu l'Euroleague avec Poortes. Oui, qui a fait partie du duo de Bani de début de saison avec Cédric Ferchaud. Cédric a rebondi du côté de Nantes après un passage sans rien. Quant à Ran, il a rebondi ici à Poitiers. D'Almeida qui pénètre, qui avait perdu la balle, il me semble, et elle est retombée dans les mains de son coéquipier qui peut c'est marquer, Oyono. Il s'en sort pas mal. Oyono, l'ancien Orléanais qui passait par là, Daniel Oyono. Lui aussi, il a connu Bercy avec Orléans. Kenny Younger. Oh, Gamel. Il faut pas le laisser, j'allais dire, celui-là, parce que la sérieuse gâchette, c'est un 4. Hein. Beaucoup plus que. D'Almeida, Mohamed, il sacré appui hein, Mohamed Jacques. Il est très élégant. Et moi j'avais vu Hinson avec vous David, je l'avais vu très bon à Paris-Levallois en ouais. Saison régulière. D'Almeida, difficile, raté. Et Kilvao, Rachid Wright, il donne vite à Constantin. Guillaume Constantin avec Kenny Younger. Kenny Younger qui ressort après avoir bien fixé pour le shoot à 3 points raté de Rachid Wright. Et Limoges a un ballon pour égaliser ou peut-être passer devant, ça dépendra de la nature du tir. Hinson, Mohamed, et ben c'est à 3 points et c'est un gros saucisson. Dites-moi, il y en a un paquet de briques hein, depuis le début du match quand même. Et Gomez à l'opposé pour Constantin, raté, rebond de Mohamed et faute. Non, pas de faute, c'est juste que Gary Florimont avait les lacets défaits. Sous le regard d'un ancien Limougeot, peut-être le plus célèbre d'entre tous, Richard Dacoury, 9 fois champion de France avec Limoges. C'est un record en France. Pas qu'avec Limoges, 8 avec Limoges. C'est vrai, 8 avec Limoges et une fois avec Paris en 97. Allons. Bien sûr.
Oh, vous êtes mon garde-fou. Randa Almeida, Oyono. Daniel Oyono, une brave bête. Ils abandonnent un peu Randa Almeida. On sait que c'est pas un shooter. Ouais, belle passe, l'extra passe de Tensoreur pour Hinson. Mais qu'est-ce que c'est que cette succession de shoots improbables qui touchent même pas le cercle? C'est bizarre, mais il va y avoir quelque chose quand même dans la nervosité parce que ce sont les deux équipes. Je vous promets que je vais pas parler du ballon. On peut quand même préciser que ça, quand même, il y a eu un déficit d'organisation, David. Les Pictaviens, l'équipe de Rudy Nellom, a reçu les ballons jeudi. Pour un match samedi, c'est court. C'est court. Alors que les Limougeaux les ont eu lundi ou mardi. Il suffisait juste d'emmener des ballons pour le match d'appui des demi-finales. Ou même récupérer ceux des perdants d'écart. C'était tellement plus facile. En sachant que, bien entendu, ils n'ont pas joué en Pro B avec ces ballons-là, ni en quart de finale, ni en demi-finale. Donc même si le ballon est de qualité, il faut s'y faire. Guillaume Constantin. Ballon perdu. Oh là là, tentative de drop. Mêlée ouverte, il y a les All Blacks d'un côté. Bien battu par Guillaume Constantin. Et la possession alternée sera en faveur du CSP. Ah, il y a de l'image là, ils se régalent nos cadreurs et Yvan Bodenès sur ces coups-là. Et ça y est, hein, vous avez dit, vous avez un effet terrible sur les publics. Vous avez dit que les supporters du Limougeaux étaient calmes. Je les vois qui remontent en régime sérieux là. D'Almeida avec Ibi. International marocain, Ibi. Oyono. C'est compliqué. Et ça bastonne. Hein. Ah ben Florimo ou Oyono, ils peuvent pas se rater. Hein. Constantin, Sylvain Meunier, bien sorti, Florimon, Constantin à 3 points. Oui. Il a réglé la mire. Il a réglé la mire. Et faute de Guillaume Constantin. Qui a vu qu'il n'avait que deux fautes collectives. Et comme il reste 18 secondes. 18 secondes dans ce premier carton. Hinson. Il va jouer le 1 contre 1. Il dit, il vient lui porter un écran. Deuxième écran de Randa Almeida. C'est lui qui va être tout seul. Pour le cross. Et la passe, c'était quand même sacrément gourmand, même si ça a failli fonctionner pour Daniel Oyono. Ils perdent beaucoup de balles, le CSP. Déjà 6 pertes de balles, David. Rachid Wright. Et 17-14, c'est le score à la fin de ce premier quart-temps. 3 points d'avance en faveur de Poitiers. On va écouter, comme on en a pris l'habitude, les arbitres. Sinon, on regarde les filles. Hein. Et si on écoutait les arbitres en regardant les filles? Ouais, pas mal. Hein. Là, c'est pas bon? Là, c'est bon, là? Ah non, là, alors. Ouais, alors, bah, ici, c'est mieux. Oh, les garçons, des choses. Ah non, mais s'il y a faute, le joueur n'a pas contesté, s'il y a faute, t'as bien fait. Mettons la main comme ça. Ok, super, super. Même pas ça, si. Ouais, volontairement. C'était en dessus, en fait. Je voyais rien au-dessus, c'est pour ça que je pensais que... Ok. Le dernier tir, pour vous, il est bon ou pas? Il est dans les temps ou pas? Pas d'accord. Pour moi, non. Pour lui, pour lui, non. Pour moi, oui, mais... Non, il est pas dans les temps. Pas dans les temps. Je ne peux pas forcément prendre. Ouais, mais toi t'as fait, c'est toi qui es côté tir, donc.
Ok les gars, bon, rien de spécial, hein. On est à jour, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. On continue juste à contrôler et voir si ça change ou pas. Ils ont mis un peu plus d'intensité là dans les trois dernières minutes de jeu dans la raquette. En pénétration est proche de la raquette, donc juste à être prêt si jamais ça monte un peu. Mais pour l'instant, c'est resté propre. Non, pour le moment, c'est propre. Hein? Non, non. Voilà. On peut considérer que c'était un temps mort où on avait le fond et les formes. Ah, bravo. Bravo, bravo. Moi, je relevais les stats, désolé. C'est alors, parti pour le deuxième carton. C'est quand même une réussite d'avoir fait ce match en ouverture, parce que la salle n'est pas comble, mais elle est déjà très sérieusement remplie. Et on a une finale de Pro B, allez, à vue de nez, là, grosso merdo, je dirais. 12 000 sur 15 000, ouais, c'est ça. Ouais, un bon 10 000, ouais. Ça n'a pas démarré, c'est pas un problème, hein. Ok, t'es à 16, t'es remonté, c'est 19, hein. Oui, c'est juste, c'était 19, t'as raison. Ok, donc on va tourner le chrono, parce que ça n'a pas démarré, on a essayé de démarrer ici, et là, ça n'a pas démarré, donc on a 19 secondes, donc voilà le temps qui s'est écoulé. Voilà, Joseph Vincent, on ne voit pas tout à fait à l'image, mais le pauvre qui s'est fait ouvrir la lèvre hier en jouant au basket. C'est ce qu'il dit. Hein. En fait, il s'est battu à la sortie d'un bal improbable, une boîte de nuit. Non, c'est en jouant au basket qu'il s'est fait ça. Bien Constantin, joué. La faute. Il faut jamais anticiper sur l'arrêt d'un joueur. Guillaume Constantin était sur sa main gauche. C'est Vincent Mouillard qui a anticipé le fait qu'il n'allait pas pénétrer. Il y retourne, il en met un petit peu. Et il provoque la faute de Hippy. On parle beaucoup, Jacques, parce que c'est une équipe référence de Limoges sur cette finale. Mais il faut rendre grâce à cette équipe de Poitiers. Je vous rappelle, je vous informe que 60% de cette équipe, c'est-à-dire 6 joueurs sur 10, viennent de National 1 ou de National 2. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, ils ont tout vécu ensemble et c'est une histoire absolument formidable. Et seulement deux étrangers, David. Ouais. Et une équipe très française. Donc c'est vraiment une équipe qui mérite un énorme respect par rapport à tout ça, par rapport à leur parcours et par rapport au fait qu'ils jouent français. Oui, moi j'ai pas d'état d'âme avec ça. Hein. Je trouve remarquable le travail de Rudy et de son staff, de Rudy Nellum et de son staff. Tinsoreur avec Mouillard. Tinsoreur à l'opposé. Mouillard qui pénètre et décontré par Gary Florimont. Contre-attaque, Constantin. Kenny Younger qui ressort, encore une gamelle. Et ça retombe dans les mains de Gary Florimont qui a envoyé tout promener pour prendre cette balle. Les arbitres ont laissé jouer. Un bon vieux strike de Gary Florimont. Alors que Vincent Mouillard retrouve une salle où avec le Paris de Valois, il avait pris deux braves chaussettes l'année dernière. Et encore un contre. De Gary Florimont. Qui va à la provoque derrière, c'est pas indispensable. Regardez, bon ça c'est bien. Et après il vient au-dessus, il se la joue un peu avant match de boxe. Ouais, c'est l'équipe de Poitiers quand même, c'est sa troisième saison en Pro B et c'est déjà sa deuxième finale d'accession à la Pro A pour sa troisième saison en Pro B, vous vous rendez compte ? Ils étaient champions de National 1 quand Orléans était champion de Pro B il y a 3 ans. Et quand Limoges était deuxième en National 1, à l'époque commandé par Hugo Cancet. Ils étaient montés la même année en Pro B, David. C'est pour ça que je croyais que la première année entre les deux équipes, d'accord, ils avaient fait match nul. Stéphane Bradford en fixation, Hinson à 3 points, c'est long. Et c'est nettoyé par Guillaume Constantin. Sylvain Meignier, il les aime ces ballons-là. Et voilà, ça tombe dedans. Et Eric Girard qui arrête le jeu. Depuis le début du carton, Poitiers a passé un 6-0. Si on rajoute
les trois points qui avaient précédé, ça fait 9-0. Tout le temps mort. On le voit ici en 2 minutes 40, tout le temps mort d'Éric Girard. On écoute Rémi Mello. D'accord ? S'il veut, la mettre un petit peu bête, même si on laisse en soeur. Attention à Hinson et à Mohamed. D'accord ? On continue, contrôler la main gauche. Envoyer à gauche, contrôler la main droite sur les situations. Okay ? La prochaine, on va jouer épaule pour Kelly. Ok ? On remonte. Gary, Ferro. Ok ? Kelly est là. Tu t'écartes. Ok ? Et on joue Kelly. Si c'est pas possible, on sort la balle ici, le rejoue intérieur. Ok les gars ? Allez, go ! On a compris l'objectif offensif de Rudy Nellum, c'est de jouer Kenny Younger et d'envoyer les Limougeaux sur leur main faible, à savoir la main gauche. On voit ce super cross de Lamine Kanté sur Aladji Mohamed. Ça, c'est la belle passe de Joe Passat. Sous le regard de Franck Buter et à côté de lui... Franck Buter. Et j'allais dire, à côté de lui, il y avait Jim Bilba. Et on va vous le montrer au prochain arrêt de jeu. Une bonne partie du secteur intérieur, champion d'Europe en 93. Ah oui. Avec Willy Reden. Bien joué. Aurélien Salmon. Comme quoi, des fois, quand il pense à autre chose qu'à shooter à trois points, il fait des trucs, Aurélien. C'est sans doute ce que lui a dit Éric Girard. Gary Florimont qui essaye de jouer avec Kenny Younger. On va renverser la position. Bonne défense de Stephen Bradford. Wow. Il a un vrai bras, hein, le petit Constantin. Limoges qui joue avec Darnell Hinson en position de meneur. Un vrai combo garde. Qu'est-ce qu'il est malin, Stephen Bradford. Il arrive toujours à se créer une shoot. Il arrive toujours à trouver des solutions à ce qu'on appelle un petit pivot. Changement avec le retour de Cédric Gomez et le retour également de Pierre-Yves Guillard à la place de Kenny Younger et de Guillaume Constantin. Le voilà, Jim Bilba. Jim Bilba qui a aussi été Villeurbanne, Villeurbanne que l'on retrouvera tout à l'heure en finale face à Orléans. Et qui a bien connu aussi Rudy Nellum du côté de Cholet, comme il a bien connu Éric Girard aussi. Rudy Nellum, Jacques, qui a eu une très jolie phrase cette semaine en disant « On a tous été un jour ou un autre supporters du CSP Limoges ». Surtout quand on veut jouer à Poitiers comme lui, et d'ailleurs avec un entraîneur qui sera bien occupé du côté de 19h30, puisque c'était Pierre Vincent. L'entraîneur de nos filles qui sont en finale du championnat d'Europe contre la Russie. Et il avait donc Rudy Nellum comme joueur. Voilà. Kanté. Il arrive à la garder, il le met derrière. Tout va bien pour Lamine Kanté. Alors ce qui est dingue, c'est que Lamine Kanté, il faut quand même le savoir. Je sais pas s'il n'est pas un peu tête en l'air de temps en temps. Il est arrivé hier. Oh là, ça c'est fort. Et ça rentre pour Stéphane Bradford. Lamine Kanté, Jacques, hier il s'est quand même pointé à Bercy pour le premier entraînement. Il avait juste oublié ses chaussures à Poitiers. Ah, ça c'est embêtant. Hein ? Et heureusement qu'il y a l'un de ses coéquipiers qui avait deux paires, qui lui en a prêté une paire pour pouvoir faire l'entraînement. Et on a dû lui ramener ses chaussures pour le match. Il y a l'anecdote de Lucas Durand aussi, de Limoges, qui est arrivé après 20 minutes d'entraînement parce qu'il passait le bac le matin. Guillard. Oh ! Pierre-Yves Guillard ! Il est un tout petit peu intense, le Pierre-Yves. Ça change de l'année dernière. Hein. Voilà. Vous connaissez cette théorie que j'aime bien, David. Hein. Quand on perd une finale, en général, si on revient l'année suivante, on a les dents qui rayent le parquet quand même. Hein. En tout cas, Pierre-Yves Guillard, 8 points déjà, meilleur marqueur de son équipe. Avec une faute qui rend la balle à Poitiers. Oula, oula garçon, là il s'est un peu lâché. Hinson.
Et Limoges c'est à 8 points maintenant. Avec beaucoup de ballons vont sur Bradford. Bradford, il est en difficulté, Lamine Kanté. Personne vient en fixation directe, donc la défense peut s'adapter inévitablement. Mais ça, ça sert à rien, ce qu'on fait avec Mohamed. Personne vient en aide directe. Il y a un contact, bien évidemment. On sent Limoges en difficulté, même si l'écart n'est pas énorme. Au-delà de ça, on sent que Poitiers est bien dans son truc. Mais cet homme-là, Éric Girard, dit, ah ben ça y est, il passe en zone et ça marche. Première perte de balle de Lamine Kanté. Kanté. Randal Meda à l'intérieur, Bradford. Bradford court, Gomez récupère cette balle. Ils ont bien étudié le jeu de Bradford, ils ne sautent pas sur les feintes. Travail de scouting, Gustave Devenu de l'homme. Kanté, on ne voit que lui, hein. Ouais, bon, enfin, il exagère là, c'est un raté. Peu. Bon, d'accord. Bon retour de Sylvain Meignier. Et la balle sera toujours pour Limoges. On a vu Éric Girard à l'image, Jacques. Éric Girard, généralement, il est plutôt victorieux à Bercy. Hein. Ouais, trois. Deux fois en coupe, une fois en championnat, je crois, c'est ça. Et à chaque fois, il a gagné. En coupe, c'était avec Cholet il y a 10 ans, deux fois de suite, deux années de suite. Et avec Strasbourg, il y a 4 ans maintenant. C'était la première fois qu'on jouait à Bercy. Pour la première finale sèche. Enfin, pas la première, mais la première depuis la nouvelle donne. Sous l'égide de la Ligue nationale de basket et à Bercy. Ligne de fond, il est passé. Toute une intensité. Mathieu Tansorer. Cédric Gomez. Avec Sylvain Meignier. Meignier, Gomez. Ligne de fond, Kenny Younger. À l'opposé, Wright. Wright qui va chercher à monter sur ses appuis. Il a été bien défendu, Wright. Là, ça défend fort. Hein. Il va envoyer. Ah oui, il est à 10 mètres. C'est raté de peu, hein, le shoot de 10 mètres de Sylvain Meignier. Deux attaques sur zone, deux échecs, une balle perdue, un shoot raté. Et pris sous pression. Ouh là 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 là. Pas loin de faire marcher, Tansorer, ça ressemblait à trois appuis, ça Jacques. Et ligne de fond, une balle, Bradford. Vous avez vu comme il monte en se protégeant. Efficacité de Stéphane Bradford. Qui est bien rentré dans son match aussi. 10 points pour lui. Rashid Wright est faute à 3 points. Il lui a coupé les jambes, c'est vrai. C'est vrai. Lancé. Pour Wright. Ouais. Ah, il a un beau shoot, hein. Belle rotation de ballon. Et on défend dur. Regardez, ça va peut-être fonctionner. Attention. Il a trouvé une zone. Elle marche bien leur zone presse. Sur lancer franc seulement. Elle est déclenchée sur lancer franc. Sylvain Meignier, passé par Vichy, passé par Nanterre. Ok. Par Saint-Étienne aussi, je crois. Merci de nous alerter, puis on va être vigilant. Il est né à Poitiers. Oui, c'est ça. Ouais. Et sa maman était une très bonne joueuse de basket. Ah, c'est marrant, il y a une égalité parfaite au niveau du shoot. Mais en revanche, il y a une différence au lancer. À l'intérieur. Et dans le deuxième quart-temps, il en reçoit des ballons, Stéphane Bradford. Et ça paye pas, mais quand même, ça crée des situations intéressantes. Alors qu'il est là, le Babac. Boris Diaw. De retour du Botswana, où il était pour les opérations avec la NBA. NBA Care. Dal
Almeida. Jameson. Zone côté de Poitiers aussi. Tout ça est compliqué et il y a une faute sur Daniel Oyono. Il n'obtient pas les deux lancers francs qu'il réclame. Joseph Bissong estimant que la faute a eu lieu avant le shoot et il a totalement raison. C'est Cédric Gomez qui a été pris par la patrouille. Alors que voilà Stéphane Ostrowski. Voilà, il a pris son air méchant pour regarder notre caméraman. Hein. Faut qu'il se méfie le caméraman parce qu'il a eu les coudes qui traînent. Stéphane, il sait faire ça. Almeida. C'est ressorti. Tenseur. Faute offensive. Kenny Younger très bien placé. Mathieu Tenseur qui va buter dedans. On le revoit. Il était dans la nasse hein, parce qu'il y avait trois joueurs de Poitiers autour. Cédric Gomez. Et ça rentre le petit shooting de fond de Kenny Younger. Mais qu'est-ce qu'il est propre Cédric Gomez dans son jeu. Bonne fixation, bonne passe. Ah, c'est pas Hercule au niveau du physique, mais c'est un joueur de basket. Hein. Et là, il va le prendre, donc bien joué. Oh, quelle jolie passe de Cédric Gomez. Kenny Younger, c'est raté. Randall Meda. Bien Randall joué. Randall Meda qui perd la balle, quel retour. En plus, il va vite. Hein. Bon, au niveau du porte-manteau, c'est-à-dire des épaules, il n'est pas impressionnant, Cédric. Mais tout le reste, c'est bien. Hein. C'est bien. Et on joue avec deux arrières, côté Eric Girard, côté CSP, avec Randall Meida et Vincent Mouillard. Suite à la phrase de Rudy Nellom, j'ai eu quelques retours. Donc finalement, la phrase n'est pas tout à fait exacte. Parce que tout le monde n'a pas été un jour ou un autre supporter de CSP Limoges. C'est le cas par exemple d'un Thierry Gadou qui vient de m'appeler en disant non, ah ouais, mais même le jour où il joue en finale contre Trévis, bien sûr. Menteur Thierry. J'espère. Menteur. J'espère que ce jour-là, uniquement ce jour-là, voilà. Au moins il l'était. Voilà. Il vaudrait mieux sans ça. Ce serait dommage pour lui. Hinson. Oh, quel panier. Il est refusé parce qu'il a chuté après les 24 secondes, mais voilà un panier qui aurait pu faire partie de notre top 10 de la saison s'il avait été accordé. Et puis, de toute façon, notre top 10, il est prêt pour la mi-temps du match de la Pro A, donc on va pas le refaire. Mais regardez, là, c'était une sorte de lancer du poids qui fait filoche. Si vous demandez au club des stagiaires de refaire ce qu'ils ont fait pour le top 10, je pense qu'on a manif devant Canal. Hein. Quel panier quand même. Allez, on écoute ce qui se passe sur le banc. Continue à la ballon poste bas, l'envoyer sur sa main gauche. Les autres joueurs, il faut venir un petit peu aider. Attention à Vincent Mouliard sur la zone. C'est lui le danger. Il faut qu'on fasse attention quand il est ouvert. D'accord? On contrôle les intervalles par rapport à ça. En attaque, on continue à jouer. On essaye de jouer sur Bayo, sur Rachid. Sur la sortie, on peut avoir le shoot. On peut avoir la passe à Kenny intérieur. Hey, on vous dépose, on reste bien en place. Go! Et tout ça est très clair, David. Il n'y a pas besoin de traduction. Se méfier de Mouillard sur la zone. En tout cas, pour l'instant, les deux gâchettes annoncées côté Limougeaud, à savoir Darnell Hinson et Aladji Mohamed, sont en berne. Cet homme-là, Stéphane Bradford, se multiplie. Mais il manque des soutiens. Crawford Palmer est là aussi. Alors que la défense pictavienne tient bien le CSP. Bien joué de la part de Hinson qui est toujours actif. Et la faute de Daniel Oyono. Faute de Daniel Oyono, donc la balle va être rendue à Poitiers. Je ne sais pas si on va revoir cette action, mais c'est stupide. Il ne l'a pas encore dans les mains. C'est justement pour lui permettre d'avoir le ballon qui fait faute à celui qui va la prendre. Il ne l'a pas encore. Il y a deux tirs. Il n'a pas encore le ballon.
savoir ce que les autres sont. Moi, je pense qu'il a déjà le ballon dans les mains, donc ça ne devrait pas être attiré. Mais bon. Pas Daniel Oyono, il aurait pu s'en passer. Hein. Confort Palmer, on va passer tout l'été avec lui. Il m'en doute, hein, pas Juillet. Hein. Laissez-moi Juillet quand même. Je vous laisse Juillet, vous avez suffisamment travaillé tout au long de l'année. Combien de matchs? On arrive entre 125 et 130. Quand même. Oui, sur 300 jours, ça fait presque un tous les deux jours. Il est là, Paul Aïfo. Le bel Apollo. Et on est sur un 6-0 en 2 minutes 40, ce qui donne 10 points d'avance à l'équipe de Poitiers. Et c'est un peu gros pour être vrai, hein, Limoges à 24 points. Hein. Limoges à 24 points à 2 minutes de la mi-temps, même moins. La zone marche bien à côté. D'Almeida, Mouillard, Ibi, Mouillard à 3 points. Non, c'est raté. Cédric Gomez. Kenny Younger. Marché. C'est un classique des jeunes américains, ça, sur la fin de départ à droite pour les droitiers, à gauche pour les gauchers. Regardez, ça se lève, hop, et il va décoller l'autre jambe. Voilà. Geste d'école à ne pas faire. Geste de non-école, donc, on va dire. C'est ce qu'on siffle parfois à Boris Diaw aussi dans le, ouais, dans le cadre du jeu FIBA. Hein, et quand David Cosette joue au basket et qu'il part à gauche, il fait le même aussi. Oui, Boris sur la droite à tous les coups. C'est pour ça que beaucoup de basketteurs enchaînent à gauche. Yacouba Diawara la même aussi. D'ailleurs, je suis surpris qu'il ne soit pas là, Yaku. Et interception de Randall Meda. Va au bout, Rand. Il provoque la faute de Guillaume Constantin. Puis, ce sera attiré. C'est la troisième de Guillaume Constantin. Boris voilà, Diaw qui est avec son garde du corps. C'est le seul qui a un garde du corps qui fait 40 kilos de moins que lui. En l'occurrence, Guillaume Leroy. C'est lui qui protège son garde du corps. C'est bon ça. Premier lancer raté pour Randall Meda. Ran, qui doit encore, il est encore jeune Ran. Hein. Il doit travailler son shoot pour franchir un palier. Plus travailler. Tout l'été là, allez hauteur, je fais les shoots. Cédric Gomez. Je connais à qui ça va arriver ça de s'entraîner tout l'été. Aline Kanté. Younger. Et la faute. Et Stéphane Gueux. Et Vincent Houillard, évidemment, il joue deux petits. Donc sur l'homme à homme, il est obligé de défendre sur Rachid Wright. Rachid Wright, malin, joue la position basse. Vincent est en retard. Petit contact sur le ballon. Et s'il n'y avait pas eu le retour de Ibi, il y aurait peut-être eu le N1. Vous savez, je suis en train de lire les stats là et je me rends compte que le 2 sur 10 de Limoges à 3 points, oui, c'est fou parce que en play-off, ils ont tourné à 50% sur leurs 4 matchs de play-off. Même si on sait que là, c'est un contexte différent, dans le fond, c'est pas facile d'avoir ses repères dans une grande salle comme ça. On en a parlé hier, David. Ils ont quand même eu un tableau clairement n'était pas obligatoirement motivé pour les play-offs. Et derrière Paris sans Jim Albol, sans faire un gir aux autres, c'est vrai. C'est pas tout à fait la même. Paris de Valois, pardon. Ibi, raté. Et fin de cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 36 à 25. Limoges n'a marqué que 25 points, rendez-vous compte. Et 11 en 20 points. Minutes. Et 11 points dans le deuxième quart-temps, David. Mais ça peut pas être pire pour le CSP. C'est ce qu'il faut qu'ils se disent. Et Poitiers, donc, mène de 11 points à la mi-temps. On va poser une petite question à Rudy Lhomme. Rudy, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à l'issue de cette première mi-temps, particulièrement maîtrisée, notamment défensivement?
On était en place, il ne fallait pas qu'on se relâche. Il faut qu'on soit rigoureux sur chaque ballon. On a mis en place quelque chose, maintenant il faut qu'on le respecte. On va essayer de les faire douter un petit peu plus, mais il faut qu'on garde cette dynamique. Merci beaucoup Rudy. Jacques, quelles sont les stats intéressantes à l'issue des 20 premières minutes en attendant l'arrivée d'Éric Girard au bord du terrain? Eh bien, on va voir les positions de tir. Regardez le sérieux, le côté je penche à droite hein, de Poitiers, avec des réussites dans l'axe de Pierre-Yves Guillard, à droite de Rachid Wright. Voilà, et le jeu de Kenny Younger en bas, alors qu'au côté CSP, eh bien que deux petites réussites à trois points, une pour Hinson et une pour Mouillard, et tout le reste, ben, tout en échec. Le problème du CSP, c'est effectivement de mettre des paniers dans cette première mi-temps. Et enfin, on va voir les balles perdues, passes décisives, un ratio qui fait mal au CSP, 13 balles perdues, avec trop de recherches, de jeux compliqués, de petits jeux, et seulement 5 passes décisives. Côté Poitiers, Pictavien, ma foi, c'est assez en place. Et puis je vais rajouter aussi comme stade, David. Oui. 42-22 à Léval. D'accord, je suis avec Éric Girard. Jacques vient de commenter les chiffres. Déjà trop de balles perdues, en plus des shoots qui ne veulent pas rentrer, mais ça on sait que c'est aléatoire. Bon, il y a beaucoup trop de balles perdues pour une finale. Il y a beaucoup trop de shoots à 3-1. Alors qu'on sait qu'ici, sur les 4 dernières finales de Pro B, il y a 25% de réussite. Alors c'est vrai que Poitiers nous attend bien dans la raquette. La qualité de passe n'est pas du tout présente ce soir. Alors c'est ce qui faisait notre force jusqu'à présent. Et puis le rythme, l'intensité n'est pas du tout là. On n'est pas fatigué. On a 11 ou 12 joueurs qui peuvent jouer. Donc il va falloir absolument qu'on retrouve l'agressivité. On shoot, on met 5 points sur lancer point, ils en mettent 16. Bon, il y a tous les compartiments, pour l'instant on est dominé. Et malgré tout, il n'y a qu'on se point d'écart. Donc il faut qu'on arrive à retrouver nos basiques, à jouer ensemble et être un peu plus dur en défense. Le match n'est pas fini. Merci beaucoup Eric. C'est tout à fait ça, hein, côté Eric Girard, David. Ils ne peuvent pas être pires et ils sont qu'à 10 points. Est-ce qu'on a fait le tour des statistiques, Jacques? Alors qu'il reste 1 minute 30, on va regarder les marqueurs, même s'ils ne doivent pas monter bien haut, vu que le score est quand même petit. Oui, mais regardez la bonne réparte côté Poitiers, avec Pierre-Yves Guillard en tête de gondole, Rachid Wright présent. C'est curieux, on ne retrouve pas Kenny Younger. Donc ça, c'est un paramètre qui peut être important pour Poitiers, si Kenny Younger venait à se réveiller. Et par contre, côté Limoges, c'est un peu Stéphane Bradford et les autres. On va écouter ce qui se passe sur le banc de Limoges. In offense, man zone, fast break and transition. Faites bouger, vous organisez trop vite. Swing the ball on the transition zone or man defense. And be aggressive, guys. Okay, allez, let's go. Retour des 2-5 sur le parquet. Onze points d'avance pour Poitiers, qui n'est qu'à 20 minutes d'une prochaine saison en Pro A parmi l'élite du basket français. Et ce qui serait une première pour ce club. Club tout jeune. Bon, si ça arrêtait de marcher devant nous, ce serait pas plus mal, David. Hein. Aurélien Salmon. Pourquoi il commence comme ça, Aurélien? Mais c'est... Kenny Younger. C'est ce qui a plombé un peu le CSP en première mi-temps. D'ailleurs, Éric Girard l'a dit, c'est d'attaquer à 3 points. La balle sur le côté, Kenny Younger.
Kanté qui marque le même. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Hein. Il shoot pied inversé, mais il s'en sort avec beaucoup de touchés, Lamine Kanté. L'espèce est le pétard ambulant de Poitiers, lui. Ouais, ça ressemble à ça. Hinson. Hinson. Il joue trop petit, le CSP. Il joue trop petit. Voilà, ça, Salmon c'est mieux. Qui marque. Il a fallu que Stéphane Bradford fasse respirer le jeu. Oh, elle est piquée par Vermeil Hinson, non récupéré par Cédric Gomez. Il n'a pas été récompensé de ses efforts, Hinson. Et encore moins là, avec le panier à 3 points de Rachid Wright. Quand on est au bord d'interception et que derrière on prend un top 3 points, ça vous met un coup sur la carafe. Et Lamine Kanté fait un gros boulot pour neutraliser Aladji Mohamed. Mouillard. Et la faute. Ouf. Il n'a pas fait le voyage pour rien, hein. Kenny Younger. Il a beau dire qu'Aladji Mohamed a écarté avec le bras. C'est quand même lui qui envoie le coude en l'air. Donc là, c'est facile de faire tomber un joueur quand il n'a plus ses appuis. Hein. Quand un joueur est en l'air, vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez. Et je trouve qu'Aladji Mohamed, il est pourri de talent, mais il ne travaille pas assez sans le ballon. Il croit qu'il va s'en sortir balle en main. Mais Lamine Kanté limite ses possessions. Et quelque part, il est en péril pour l'instant dans cette finale, comme nous l'illustre le docteur Gourdal. Alors que quand lui est bon, le CSP va bien quand même. Hein. Cédric Gomez. Gomez. Wright. Younger. Il joue très large. Il va falloir penser à shooter. Le ballon qui a failli être intercepté par Aurélien Salmon. 4 secondes, David, de possession. Et la balle sur le côté pour Lamine Kanté. Alors là, c'est une passe, deux maximum. Et tout de suite, on balance, c'est court. Et ça donne du rebond offensif. Et il n'aurait pas dû shooter tout de suite parce que comme ça avait touché le cercle, il y avait à nouveau... non ou alors il doit s'approcher. Mais pas tenter ce shoot qui est difficile. Ouais. Un flotteur. Hinson qui perd la balle. Il a des cannes, Lamine Kanté, quand même. Hein. À droite, garçon, trop tard. Oui. Cédric Gomez. Et vous avez vu l'exécuteur des hautes œuvres en fin de possession, c'est Rachid Wright. Hein. Il n'a jamais refusé un shoot, hein, Rachid Wright. Kenny Younger. Il travaille bien sur Vincent Mouillard, la position basse. C'est bien joué tout ça. Cédric Gomez raté. Et la balle ne sera pas sauvée par le meneur Pictavien. Il faut s'y faire un Pictavien. Hein. Vincent Mouillard. Avec Aurélien Salmon. Aurélien Salmon s'est raté. Et il fait la faute derrière parce qu'il a essayé de prendre cette balle par-dessus son vis-à-vis en le poussant un petit peu. Et du côté des supporters, on y croit de plus en plus. Pardon David, mais pour l'instant sur le poste 4 entre Aurélien Salmon et Pierre-Yves Guillard, Pierre-Yves Guillard prend le dessus. Et Dieu sait qu'au basket, le poste 4, c'est quand même fondamental. Changement avec la sortie d'Aurélien Salmon et l'arrivée de Johan Passave. Le voilà. Sous le regard de Jackie Comer. Un peu crispé peut-être. Un peu crispé Jackie. Limoges qui a monté la pression défensive, qui va plus haut. Kenny Younger qui se charge de monter la balle pour décharger ses arrières ou son meneur. À l'intérieur Gomez, il trouve Kenny Younger, c'est manqué. Rebond de Stéphane Bradford, Hinson, Vincent Mouillard, non, raté, rebond pour Kanté avec Cédric Gomez. Lamine Kanté, bien passage en face, bien défendu de la part de Vincent Mouillard, qui a bien anticipé son cross. Lamine Kanté, il a un petit défaut, si je peux me permettre, c'est dès qu'il a la balle, il la fout au sol. Avant, il ferait mieux de regarder un petit peu. Parfois, il y a une passe à faire directement, à l'opposé ou devant.
Changement intéressé à ce que l'image. Sortie de Vincent Bouillard. Et retour en jeu d'arrêt. Possession l'image. Vinson. À l'image. Avec Bradford. Tentation d'Almeida, voilà. Et Mouillard. Faute de Cédric Gomez. Et ça, ça doit être la troisième ou la... Attendez, non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Non, troisième. Troisième. Ouais, ouais. C'est, le tableau a mis un peu de temps, mais vous aviez raison. D'Almeida. Et le petit Zaoui, il n'a pas joué pour l'instant. Guillaume Constantin peut faire passage à l'arrière. À l'intérieur, Bradford qui marque. C'est Johan Passav. Un joli hook main gauche. Il contrôle bien le rythme du match. Oula, bien. Oh, il l'a prise très haut. Il l'a prise très haut cette balle, Johan Passav. Avec Hinson. Il a porté des bonnes choses, hein, Passav. Exactement ce que j'allais dire, David. Il apporte des bonnes choses, Johan Passav. Mais il ne faut pas qu'il se grise. Ah, ben, ça y est. C'est le petit malin. Kanté. Où il la touche. Alors, heureusement, je crois qu'elle n'était pas encore sur la planche. Quoique. Il intervient, mais c'est en face ascendante. Donc, le panier n'est pas qu'on ne compte pas. Le panier n'est pas valable. OK ? Pas de panier. Le contre est bon. Je crois aussi. Mais elle n'est pas loin de la planche. Hein. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas loin de la planche ou du cercle. On va vérifier ça. Et il me semble même que ça touche la planche. Il me semble qu'elle est tellement pas loin qu'elle y est. J'osais pas le dire, mais. C'est vrai. Vous avez raison. Regardez. Oh oui. Ouais, c'est oui. Juste à la limite. Hein. Ah ouais. À la photo finish. Bon petit match de Lamine Kanté. Qui s'expose ainsi aux yeux du basket français. Et qui montre encore une fois que la formation dans les clubs est bonne et qu'à la sortie des centres de formation, eh bien, alors que François Renaud est rentré côté Limougeaud. Lamine Kanté qui est normal cette saison, qui était le quatrième marqueur de l'équipe de Poitiers avec 9 points par match. Là, il en est à 8. Il ne faut pas refuser le shoot, gamin. Ils ont tellement shooté à 3 points au début que maintenant ils refusent les shoots et ils compressent. Allez, il faut envoyer là. Voilà, c'est fait. Et c'est court. Oh, quelle intensité au rebond de Johan Passav. Ah, il y a Bessio là. C'est bien ce qu'il fait, Johan Passav. Arrivé l'été dernier de Saint-Etienne. Oui, Saint-Etienne, où on peut dire en mot, David, où il y a des difficultés en ce moment. Ce qui serait dommage pour le bon boulot que fait Fabien Romeyer. Et les deux bonnes saisons sur lesquelles Saint-Etienne basket restait. Et comme par hasard, c'est encore une fois des difficultés entre la cellule professionnelle et l'association. C'est un des éternels débats du sport français, pas que du basket, ça. Mohamed, Bradford. Alors lui, il la transforme, cette situation. Mais ils en font trop de passes dans le petit périmètre, comme ça. Et le CSP revient à 10 points. Guillaume Constantin. Kanté. Constantin. Raté. Rebond. Comme il l'appelle, François Renaud. Il dit c'est un niaqueur. Un niaqueur. Bradford. Gary Florimont. Gary Florimont. Il a offert son corps, Gary Florimont. Et il a bien fait. Il faut dire que c'est un fauteuil en triple XL, hein, Gary Florimont. Hein. Ah, je vais me faire un pote. Lui, je le sélectionne hein, dans l'équipe des gros shorts. Hein. Remplaçant, mais présent hein, quand même. Sorti. Une équipe que ne connaîtra jamais Sylvain Meignier. Jamais. Non. Même avec un régime spécial. Ah non, impossible. Il vient d'entrer en jeu à la place de Lamine Kanté. Sylvain Meignier. Constantin Guillard. Il est passé Guillard et il peut marquer. Il domine le match, Pierre-Yves Guillard.
11 points pour lui, meilleur marqueur de Poitiers. Le meilleur marqueur de Limoges, c'est Bradford avec ses 12 points. Et 4 fautes provoquées avec 3 rebonds pour Pierre-Yves Guillard. Et surtout ses paniers et ses points de début de match qui ont bien lancé. Mais c'est ça, voilà, voilà ce que je disais. C'est, il joue dans une cabine téléphonique. Voilà, exactement. Dans un couloir de métro. C'est terrible. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, surtout dans une salle comme Bercy. Il est passé right et il marque sur sa main gauche. Très serein, très sobre et très efficace. Rashid Wright. Très belle main gauche. Qu'on avait vu avec Vichy. Finaliste des As l'an passé. Ouais. Mohamed, raté. Attention, ça peut être un moment du match. Balle rendue au CSP. Ils étaient revenus à 10 points. Ils viennent de reprendre un 4-0. Il y en a donc 14. Et 14 sur 46 points pour Poitiers, ça fait beaucoup. C'est un tiers. Et d'avance. Les supporters VIP du CSP commencent à douter et à s'inquiéter. Elle est en train de leur filer entre les doigts, cette accession en proie. C'est raté pour Mohamed et rebond de Poitiers. On va écouter ce que dit Jobisson. On finit le match normalement. Ça joue basket, ok? On se respecte jusqu'à la fin, ok? C'est bien parce que sur les contacts, il a senti qu'il y avait beaucoup de frustration pour Joe Passav. Et ma foi, ce qu'a dit Joseph Bissang, eh bien, remet les choses en perspective. René Lhomme avec son banc. Pierre-Yves, une belle réclame pour poser un écran sur Rachid ou sur Guillaume, sur la montée de la balle, d'accord? On gagne notre calme. Si on n'a rien, on joue quand? D'accord? On regarde, on essaie de mettre la balle intérieure. S'ils ne sont pas sur les pics, ils sont en défense très dure. D'accord? Tenez les ballons sur la zone. Prends d'intervalle. Ils attaquent les intervalles. Contrôlez les intervalles. Et après, rebond. Rebond. On doit avoir Bassard, Bradford. Ils vont rebond. On doit y aller tous les cinq. OK? Ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont sur leur plan de jeu. Et du côté de Poitiers, les dirigeants de ce club nous le disaient hier à l'entraînement, le basket est en train de grimper, on le sent, cette ferveur que vous voyez ici à l'image. D'ailleurs, ils nous disent qu'il y a même plus de monde maintenant qui va voir le basket que le volley, qui est quand même un sport ancestral à Poitiers. 2006 de moyenne pour le basket, 2000 pour le volley. Ouais. Alors c'est notre copain Pascal Crène, le manager général du volley à Poitiers, qui va faire la tête si vous entendez dire ça, mais c'est bien ce qui nous est confirmé par les dirigeants. Les chiffres sont les chiffres. Hein. Les chiffres sont les chiffres. Par contre, la salle porte le nom du mythique Love Somebody. Exactement. Le regretté et mythique Love Somebody. Volleyeur, bien salle sûr. Salle que se partagent donc les deux entités. Pour l'instant, parce que ça pourrait changer. Sortie d'écran pour Sylvain Meignier. Il le prend son shoot et il le met. Plus 17, David. Plus 17. Un 7-0 passé par le Poitiers Basket. Si Limoges ne réagit pas très vite. Mais pourquoi la fin de passe? À 3 points. Voilà. À 3 points. Mathieu Tansoreur. Qui laisse le CSP en vie. Constantin. Rashid Wright, 3 paniers consécutifs dans ce match, derrière l'arc à 3 points. Et Darnell Inson toujours muet. Transfert. Inson. Oui, ça fait 6 points, Jacques, pour le duo Mohamed Inson, hein, quand même. C'est l'échec. Il est là, l'échec, pour l'instant. Parce que Stephen Bradford fait son match. Le petit tensoreur fait de bonnes rentrées. Joe Pictav, Johan Passav. Johan Passav fait son truc aussi. Moi, la doublette américaine est en péril. Et les meneurs un peu right encore. Gourmand, elle est jouable. Possession CSP Limoges. Aurélien Salmon aussi est passé à travers dans les grandes largeurs pour l'instant. Randal Meda.
la balle. Sous le regard de Frédéric Fortet, celui qui a volé cette balle à Tony Kukoč en finale de l'Euroleague et qui est maintenant le président. Oh là là, ça ressort pour Hilson. Il n'est pas vénard parce que c'était un bon shoot. Après cette fixation passe de Randall Meyla. Right. Florimond, attention, duel de bavard. Et il n'arrive pas à aller au bout. Et il perd la balle en la ressortant. Et c'est entre guillemets une bonne faute de la part de Pierre-Yves Guillard. La quatrième de son équipe, donc ça ne sera pas à tirer. Il a coupé un jeu rapide sur ce départ de Johan Passave. On est dans la dernière minute de ce troisième carton. Oh, ça pousse, hein, ça pousse. Petite suée pour Rudy Mellom. Hinson. Qui avait fait du bon boulot à Cholet avant d'avoir un calendrier qu'il avait exécuté. Et la zone de Poitiers, quand on ne met pas dehors, quand on ne met pas de panier extérieur, c'est quand même compliqué d'attaquer une zone au bout d'un moment. Andalmeida. Ouais, cette fois-ci, il l'a trouvé à l'intérieur. Et Stéphane Bradford, qui avait mis 10 points dans la première mi-temps, n'en est qu'à que 4 dans ce carton. Le CSP est à 15 points, Poitiers est bien dans son match. Oh, belle passe. Ouais. Ouais, mais Florimond, qui est victime de la faute. Et il va aller sur la ligne, je crois, puisque le CSP a 4 fautes. Et on a vu la main de Mathieu Tansorer, pris par la patrouille. Ah, si Poitiers monte en Pro A, j'espère qu'on pourra aller les voir et voir ce formidable public, peut-être dans les arènes de Poitiers. C'est une salle qui peut contenir 7000 personnes, où il pourrait y avoir des matchs de gala la saison prochaine s'ils sont en Pro A. Et il y aura plus ou moins des ambiances de derby, hein, avec Le Mans, Orléans, Cholet. C'est... Mais d'abord, il faut valider ça dans le dernier carton, Jacques. Dernière possession de ce troisième quart avec Hinson. Ça va pas fort pour le CSP. On sait que ce club, dans son histoire, a retourné plein de situations. Il va falloir faire le rappel au grand livre. Hein. On voit. Il va Meignier du milieu du terrain, c'est raté, mais 53-37, l'écart est énorme. Ça fait 16 points, Jacques. Non mais David, 37 points en 3 quarts-temps. Ah oui. Ça fait 12,3 de moyenne. C'est quand même pas possible. Alors que d'habitude, Limoges tourne à combien? Limoges a une bonne attaque. Hein. Je vais vous dire ça. Sur la saison régulière où on va nous souffler dans les oreilles. Allez, on écoute les arbitres pendant ce temps-là. Il est venu plus vite. Ok. Là, la côte, il demande en sportif. Il dit ouais, c'est le dernier défenseur. Il est devant. Il dit ouais, c'est le dernier défenseur. Il dit oui, tu as raison, mais il est devant et il fait face. Ouais, moi j'aurais mis faute offensive. Il en rajoute. Ce que tu vois, c'est je crois que toi tu sais parce que tu vois ça. Mais oui, mais ce qui se passe en fait, c'est qu'il fait ça et son pied par après. On regardera. Après, c'est pris. Hein. Bon les gars, ce qui nous guette, c'est la déconcentration. On met des doubles coups de sifflet sur le pied. Le ballon est clairement. Et c'est la concentration. On regarde alors parce qu'il ne se passe rien d'autre. Je reviens ici au lieu de partir en prise de tête là-bas. Ouais. Donc voilà, juste la concentration. On se reprenne sur les bases pour nous rester dedans. Comme les Poitiers, reste dedans les gars.
Vous avez entendu, David, on a récupéré les chiffres. En saison régulière, le CSP, c'est 78 points. En play-off, 86. Le duo Mohamed Hilson, en play-off, c'est 31 points. En saison, c'était 36. Ben, les chiffres, parfois, sont terribles. Et un autre chiffre terrible, c'est ce que vient de nous montrer Thierry Grondal avec les balles perdues. Hein. Les balles perdues, deux fois plus, 18 à 9. Non, mais 18 balles perdues, si vous faites 30 passes décisives, ça va. 18 balles perdues, ouais. 5 passes décisives, ça devient plus compliqué. Hein. Ça change de ratio. Mohamed. Un challenge des plus compliqués pour le CSP Limoges, obligé de remonter 16 points sur un dernier carton. Eh bien, dis donc, si ça continue, Poitiers va continuer d'être la bête noire du CSP Limoges. Il reste sur 5 défaites consécutives. Alors que ça y est, hein, Bercy est quasiment plein jusqu'au centre. Et je dois rendre à Jules ce qui appartient à César. Autant pour moi, vous avez raison. Bien sûr, je disais rien. Et je me flagelle. Je le ferai dans le cas régie. D'accord, très bien. Ça me fera plaisir. Ça avait commencé par une victoire de Limoges. Et derrière, il y en a eu 5. Vous êtes une sorte d'ordinateur vivant. Non. Gary Florimont. Florimont et la faute de Stéphane Bradford. L'élan du CSP Limoges que l'on avait vu depuis l'arrivée d'Éric Girard, depuis l'arrivée de Stéphane Bradford, est coupé net en ce jour de finale à Bercy. Est-ce que c'est aussi l'approche de la finale qu'a déjà connue Poitiers l'année dernière avec le même groupe Jacques ? Et je crois aussi que, entre guillemets, la facilité avec laquelle le CSP s'est qualifié. Ils ont eu un carton difficile en play-off, c'est le premier à Paris. Lors du premier match où ils étaient menés de 15 points, puis ils étaient revenus. Ils avaient gagné ce match de 5-6 points. Mais sans ça, ils n'ont pas eu des play-offs assez rugueux, assez difficiles. Alors que Poitiers a failli, pas mal, mais bon. Alors que Poitiers a failli passer à la trappe avec Nantes. Hein. L'équipe d'Antoine Michon, les amis au trapèze, ils étaient limite. Hein. Voyez, Rudy Nellom avec Rachid Wright. Aladji Mohamed sur la ligne. Il met le premier. Je vous rappelle que ce n'est que le début de cette formidable journée de basket, puisque il y aura ensuite la finale de la Pro A avec ici Tony Dobbins qui attend avec son équipe d'Orléans de disputer le titre de Pro A à Villeurbanne. Et puis ensuite il y aura la finale des championnats d'Europe féminin avec l'équipe de France de Pierre Vincent qui est déjà assuré d'avoir une médaille, qui va chercher l'or, qui va chercher le titre que les Françaises avaient déjà gagné au Mans en 2001. Oui, Florimont qui rate son dunk. Ah, des fois on paye cher ce type d'action. Il est malin, ce petit Cédric Gomez. Mais il est malin comme un singe. Il est dans la famille de Foxy, à savoir Aymeric Jeannot. Un cousin d'Aymeric Jeannot. Vous parliez des filles. Moi, je dis que Céline Dumère, c'est la meilleure joueuse du championnat d'Europe. Voilà. Ça, c'est fait. Ok, c'est bon. L'arbitre est juste à côté. Il apprécie que les joueurs se battent pour le ballon. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir des contacts, l'arbitre a jugé. Ok ? Joseph Bissang avec Éric Girard sur le match de Pro A. On aura un micro sur chacun des arbitres pour ne rien rater des échanges sur le terrain. Et on ira même faire un tour dans les vestiaires, dans l'intimité des deux équipes finalistes. Et là, c'est Kenny Younger qui marque. Il est pas loin de poser le couvercle parce que l'écart n'a pas changé. Non, mais le CSP était au bord d'intercepter. À 3 points, voilà. Il peut redonner un peu d'élan. C'est celui qui va le mieux côté CSP à l'extérieur. C'est Mathieu Tensorer.
Bon shoot, bien placé. Qui lui a déjà connu Bercy avec Quimper. Il avait été battu par Vichy, je crois, non? Ouais, en finale de Pro B. Non, c'était pas Vichy. Si, c'est quand Vichy. C'est Vichy. Et ballon perdu par Cédric Gomez. L'occasion de stopper l'écart avec Mohamed. Et Limoges y croit à nouveau dans les tribunes du CFP. À nouveau, on chante. Ça se fait, Rachid Wright. Oh, quel cake. Mais David Chambon avait sifflé la faute. Ouais, c'est Joe Passaf qui fait la faute, je crois, en bas. Non, ou Mathieu Tensorer. Joseph Vincent a dit Eric Girard, encore un mot, ce sera une faute technique, ce sera embêtant parce qu'on sent que Limoges est en train de revenir un petit peu, ça stopperait l'élan. Dites-moi, ça fait une belle journée télé pour Robert Monclar, l'ancien grand joueur de l'équipe de France des années 50 qui sort tout juste d'une opération assez compliquée. Et bien il revient au meilleur moment, hein, voilà. Le Bob. Monsieur Bob. Il aurait fait une grosse colère s'il n'était pas sorti. Là, il fait sortir. Hinson. Jacques, on va être fixé sur les deux prochaines minutes. Hein. Même s'il reste 7 minutes à jouer. Et ça y est, ils se lâchent, ils jouent large, ils ont des situations. Avec à 3 points, le shot raté, rebond offensif. Et nouvelle possession. Il va se lever, non? Avec Mohamed. Ouais, on l'a bien senti comme ça. Ouais. Mohamed toujours. Il a mis une Kanté, lui. Il inflige un défi physique important. Ligne de fond, la balle sera toujours pour Johan Passave. Et alors qu'on croyait ce match sur le point d'être plié, Limoges est toujours en vie. Bah, Limoges est éternelle, celle-là on la connaît. Hein. Bradford, il va peut-être s'essayer, non? Hinson. La sortie d'écran, Tensorer. Passave, ressort pour Hinson. Hinson qui monte sur ses appuis, qui marque. Voilà le vrai Darnell Hinson, celui qu'on avait vu très bon cette année parfois. Cédric Gomez. Est-ce que Poitiers va supporter là? Vous savez ce qu'on appelle en tennis ou en golf la peur de gagner. Younger avec Cédric Gomez. Qui malin mange l'horloge. Ça mange pas de pain. Et il prend le shoot à 3 points. Il est court. Rebond offensif de Pierre-Yves Guillard. Qui n'a pas fait le, comme tout à l'heure, qui n'a pas rejeté. Il vous a écouté, David. Gomez. Attention, ça peut partir. Kenny Younger. Il travaille son vis-à-vis, balle perdue sur le renversement de Kenny Younger pour Lamine Kanté. Et Frédéric Forté y croit à nouveau. Et imaginez qu'il y ait une bombinette à 3 points qui tombe là. Ah bah là c'est le toit de la gare de Limoges qui explose. Des bénédictins. Et ça chante dans les tribunes dédiées au CSP. Il aurait pu se lever, Hinson. N1. Non, refusé par Joseph Vissang. Limite. Et c'est la troisième faute collective. Oui, limite, parce que elle est sifflée là. On en a vu des pires. Il y a des supporters de Limoges qui sont même venus avec une banderole à la gloire de Jacques Monclar, mais on n'arrive pas à la retrouver. On va chercher quand même. Elle a été brûlée. Tensorer. Il marque Tensorer. Un match de 8 points. 8 points, c'est 3 possessions. 8 points, c'est 3 ou 4 possessions. Et 12 à 4 dans le quatrième quart-temps. On est sur un 9-2 sur les 3 dernières minutes. Right on. Refusé, à qui est la faute? Il est bien, Rachid Wright, aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'il est capable de scorer 30 points, comme il est capable de finir à moins 5 d'évaluation. Hein. C'est... Et la faute est à Aladji Mohamed avant le shoot, sur le déplacement de Rachid Wright.
Et Mathieu Tensorer, il part sur Rachid Wright. Aladji Mohamed, on lui dit va prendre la mine Kanté. Cédric Gomez. Gomez avec Wright, c'est raté. Rebond de Guillard, exceptionnel, Pierre-Yves Guillard. Tellement utile, il vient de prendre son sixième rebond. Stéphane Gueux leur dit de jouer aux deux joueurs qui sont en train de se charogner un petit peu. Et c'est raté encore pour Wright, et il y a une faute dans la raquette. Kanté sort, Sylvain Meignier revient sur le parquet. Même si Sylvain est aussi un peu quand même gourmand parfois, ce sera plus posé avec Sylvain Meignier qu'avec. Premier lancé, il est raté pour Rachid Wright. Rachid Wright qui avait commencé sa carrière en France à Saint-Vallier en National 1, maintenant coaché par notre ami Laurent Pluvy. À l'époque, c'était Jean-Claude Coste. Il met 1 sur 2. Il a fait toute sa carrière en France. Rachid Wright, après sa sortie d'université. Hinson à 3 points, raté. Oh, ça c'est une brique aussi pour Hinson. Et Pierre-Yves Guillard, il est rebond, point. Un peu partout. S'il l'avait mis, Hinson, il n'y aurait eu que 2 possessions d'écart seulement. Eh oui. Pierre-Yves Guillard qui cherche des solutions. Wright, ils sont loin du cercle. Il ne reste que 5 secondes, Poitiers. Wright, il a failli se faire chipper la balle. Il est court. Le rebond sera pour le CSP grâce à Aurélien Salmon avec Hinson. Il va monter. Non, il n'a pas voulu tenter le shoot en première intention. Et balle perdue par Stephen Bradford. Gomez, il reste un peu plus de 4 minutes dans cette finale de Pro B qui est devenue complètement étouffante. Les enjeux ne sont pas plus forts qu'en Pro A, mais presque. Vous vous rendez compte, il y a certes le trophée, mais oh, Sylvain Meignier, c'est un panier quasi décisif. Vous vous rendez compte ce qu'est la différence entre refaire une saison de Pro B, même s'il n'y a aucune honte à jouer en Pro B, loin de là. Bien sûr. Mais et se retrouver en Pro A, c'est fondamentalement différent. Et à mon sens, c'est aussi plus facile de se maintenir que de monter. Si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que l'année prochaine, il va y avoir du joli linge. S'il y a des jeux à deux, tu pousses. D'accord ? On passe en dessous. Hey, tu pousses et tu lèves la main. S'il y a des jeux avec lui. Ok ? Après, on attend. Comme on arrive à continuer à jouer, avoir peut-être 5 lignes. Ok ? On a le temps sur le jeu à deux. Comme tu as fait. On joue. Achille. Ok ? On regarde ici. Jamie ou Pierre, vous montez ici. On a le temps sur la situation. On a le temps. Ok. 1, 2, 3. Regardez, nous sommes dans les vestiaires d'Orléans où on se prépare. Petite caméra indiscrète sans déranger les joueurs, bien sûr. Ils ne savent même pas qu'on est là, d'ailleurs. Vous voyez, ils sont en train de se préparer pour la finale de Pro A. Ils sont quand même bruts de déco, les vestiaires, à Bercy. Hein. Ah, ouais, ouais. C'est pas le Staples Center. Hein. Non. Mais on est content d'y avoir une caméra. C'est pas décoré par Jacques Garcia. Hein. Et la balle perdue. Ah, printemps mort, ça fait mal aux dents quand même de perdre une balle. Et surtout dans le registre que Éric Girard a dû dire que c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Ils en ont perdu combien comme ça? 64. C'est Wright. Vous rendez compte, David, 20 pertes de balles. Guillard. Non, pardon, 15 pertes de balles. Et la faute. Non, c'est bien ça. 20 pertes de balles, c'est ça. J'y croyais pas. 20 pertes de balles pour 13 passes d'ess.
et Poitiers qui crie Orléans avec nous. Ouais. Les supporters d'Orléans qui sont en blanc tous, la couleur d'Orléans aujourd'hui. Dans la géographie de Bercy, ils sont du même côté alors que les Limougeons sont avec les petits hommes verts de l'ASVEL. La vieille dame du basket français. Hinson. 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 Il reste 10 secondes sur la possession. Oula, au bord de l'enroulé. Ouais, mais la faute est sifflée à Kenny Younger. Vous voyez les bleus à droite de votre écran, les blancs au fond, les supporters. Chaque club, chacun des quatre clubs aurait pu bénéficier du double de place qu'ils auraient évidemment ramené. Rendez compte, les supporters David. Sans aucun souci. Interception de Sylvain Meunier. Il va la donner, non, il va la c'est garder. C'est fait, et la faute anti-sportive sur Pierre-Yves Guillard. Qui est vraiment la seule action d'éclat qu'aura fait Aladji Mohamed dans ce match. Ah, c'est embêtant. Pile poil dans le timing, hein. Oui, elle est grosse, oui. Elle est grosse. Pile poil dans le timing, pas, la passe de Sylvain Meunier pour Pierre-Yves Guillard. Non, non. Elle n'est pas méchante, mais elle casse le bras. Quoi. Mais disons qu'il ne peut pas, c'est sûr qu'il ne peut pas monter au cercle. Ou alors il emmène tout avec lui et Mohamed en même temps. Vous voyez, supporters de l'ASVEL en vert sur la gauche. Évidemment, on est à guichet fermé aujourd'hui. Et nouveau temps mort avec 3 minutes à jouer. Sous le regard de Lolo Sierra, l'un des derniers des Mohicans, comme Laurent Poirest, ces deux joueurs vice-champions olympiques à Sydney vont s'affronter dans une heure. Aladji Mohamed, Darnell Hinson et Aurélien Salmon en play-off, c'était 45 points par match. Je reste persuadé que le cheminement des play-offs du CST leur a pas donné la mesure de la difficulté de la finale. Est-ce que Limoges, ce ne serait pas Cleveland? Pas tout à fait, parce qu'ils sont arrivés en finale. Non, mais... Oui, il y a un peu de ça, ouais. Les Cavaliers ont dominé, gagné tous leurs matchs en play-off, et tout d'un coup, boum, ils sont tombés contre Orlando alors qu'ils étaient favoris. Voilà. Et certains analystes disaient que Cleveland, finalement, a perdu contre Orlando parce qu'il n'avait pas eu d'adversité plus forte sur les tours précédents. Mais il y a un peu de ça, vous avez raison. J'aime bien quand vous faites des comparaisons NBA. Bah alors, je suis au taquet, hein. Sylvain Meunier. Ça doit être vos chaussures. Avec Cédric Gomez. 3 minutes de jeu exactement à jouer. Oui, 3 minutes de jeu à jouer, c'est normal, vous me direz. Guillard. Une forme de héros, oui, David. Pitave. Une forme de héros. Celui qui est né à Poitiers, qui mieux que lui pouvait montrer l'élan Pitave aujourd'hui. Et interception. Des gens qui refusent le shoot. Kenny Younger, mais bien bon retour de Randall Meida. Hinson. Toujours ses jambes de feu. Et Sylvain Meunier qui envoie sur la ligne. 16 points d'avance pour le Poitiers Basket. L'affaire semble entendue. Oui. À 2:30 de la fin. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire, si Poitiers confirme dans ces 2 minutes, et il n'y a pas de raison que Poitiers, qui semble maîtriser cette partie parfaitement, ne le fasse pas, vous vous rendez compte qu'on aurait droit à un super classico, l'affiche la plus mythique de l'histoire du basket français, pour Limoges, en Pro B la saison prochaine. Eh oui. Alors si jamais ça se produit et on est sur le chemin,
on sera sur le coup. On vous le promet. Sylvain Meignier. Sylvain Meignier qui ne marque pas, la balle roule sur le cercle. Randall Meda. Interception de Gomez qui passait par là. Pierre-Yves Guillard, Cédric Gomez comme un symbole en leader de leur équipe. Pierre-Yves Guillard qui a commencé à Poitiers en National 2, Jacques, et qui va l'année prochaine, je n'en doute pas maintenant, jouer en Pro A. Chez lui. Et là, il vient d'envoyer une tartine de coude à Mathieu Tonsorer. Mathieu Tonsorer qui aura été de Limoujon le plus saignant. Alors que voilà le jeune Arnaud Lucas. Lucas Arnaud, pardon. Formé, à, vous savez où il a été formé, Lucas ? Qui ça ? Le petit Arnaud qui rentre là, Lucas Arnaud. Non. C'est un. Lucas Durand, pardon. Lucas Durand. Vous savez de. À Antibes. Ah d'accord. Et puis un Antibois pur jus, hein. École Guilmer, Collège Fersen, la totale. Hein. Tensoreur, c'est raté, rebond. Non, il y a une faute, dit Joseph Bissang. Oh, ça taquine dans les tribunes avec les supporters de Poitiers qui demandent où sont les supporters de Limoges. Ça qui faisaient tant de bruit avant d'arriver. Ça commence à faire, ils ont une histoire ensemble et c'est le côté derby de la chose. Et il est clair aussi, David, que tout le monde dans le basket français aurait vu d'un bon oeil le retour du CSP. Et quelque part, il est possible que les gens de Poitiers aient pris ça contre eux, alors que ce n'était pas contre eux. Pas du tout. Bien sûr. Ils ont fini deuxième de la saison régulière. Bien joué, gamin. Durand et la faute de Kenny Younger. Voilà, il a passé le bac hier matin, Lucas Durand. 10 passes décisives pour Cédric Gomez. Ce qui doit être le record sur une finale. Ce qui doit être le record en Pro A, le record c'est 8 passes. Il pourrait bien tomber ce soir, si vous voyez que je veux dire ce que je veux dire en Pro A. Non, c'est 13 passes décisives, le record en finale de Pro B. Avec Vichy. Jean-Philippe Besson. Avec Vichy. Avec Besançon. Avec Besançon. Ahmed Fella avec 12, avec Orléans, tiens d'ailleurs. On est en Pro A. Et bien voilà. La deuxième est la bonne pour l'équipe de Poitiers qui avait cédé en finale face à Besançon l'année dernière. Besançon qui retrouvera la Pro B d'ailleurs et qui organisera la semaine des As. On fait tomber le chrono un petit peu. Right, il va shooter, right. C'était écrit ça, non? Ah c'est raté. C'est son registre. Hein. Et rebond offensif de Pierre-Yves Guillard. Ben voilà, il vaut mieux shooter que de perdre la balle. Au moins, il y a un rebond. Et sur le banc de Poitiers, on va vous le montrer, le banc de Poitiers, on est debout. Et on a les bras au ciel. Et on fait rentrer le petit Jean Ibzaoui. On fait rentrer tout le monde. Fair play à Paulo Faye. Il applaudit. Ils l'ont mérité. Gary Florimont. Quelle ascension pour ce club de Poitiers. Le petit Dalmat aussi qui rentre. Ils étaient en National 1, en 3e division, il y a de cela 4 ans. Et ils vont jouer face à des équipes d'Euroleague la saison prochaine. On va simplifier les choses. National 1 égale 3e niveau. Troisième niveau. Parce qu'après, il y a conflit. D'accord. Durand. Et pour Limoges, il va falloir se battre à nouveau l'année prochaine pour monter en Pro A.
Vous aurez quand même une belle partie des années 90 et 2000 avec Limoges, avec Pau et avec Antibes. Ouais. Les 30 dernières secondes. Il y a Baïkoua, on dit comment Baïkoua, Baïkoua. Le côté qui est rentré aussi, un petit jeune. D'Almeida, Durand. Tensorer à 3 points. Il aurait été très bien, Mathieu Tensorer. À 3 points, c'est raté. Yann Devea. Le vieux soldat Yann Devea. Zawi qui va jouer le dernier ballon. Envoie gamin, envoie. Il trouve Devea ressorti au buzzer. C'est fini, 67-54, Poitiers est en 3. Avec nous, avant d'aller voir les vainqueurs, Mathieu Tensorer. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé sur ce match que vous n'avez peut-être pas pris par le bon bout? Ou Poitiers était tout simplement trop fort? Ouais, je pense qu'on a voulu tuer le match en attaque. Et je pense qu'ici à Bercy, il faut d'abord bien défendre. Ce qu'on a eu du mal à faire, je pense, en première mi-temps. On a pris trop de shoot à 3 points et voilà, en fait, je pense que c'est ça. Il va falloir maintenant repartir pour une année de Pro B avec des équipes ambitieuses comme Poitiers, comme d'autres, ça va être terrible, mais il va falloir y retourner pour essayer d'enfin monter en Pro A. Ouais, c'est sûr, ça va être compliqué l'année prochaine. Mais bon, voilà, on avait une chance cette année. On aura une deuxième chance l'année prochaine, ça c'est sûr. Et Poitiers l'ont fait. Ils ont été en finale l'année dernière, ils ont gagné cette année. Donc voilà, on va tout faire pour remonter en Pro A. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, Jacques, qui avons-nous Eh bien, on a élu comme MVP quelqu'un à qui on l'a fait pas deux fois. Le voilà, Pierre-Yves Guillard. On voit ses stats à Pierre-Yves. 16 points, 9 rebonds. Un Pierre-Yves Guillard. Je disais, c'est quelqu'un, Pierre-Yves Guillard, à qui on l'a fait pas deux fois. Voilà, c'est ça. On voulait vraiment pas rebondir ce qu'on a fait l'année dernière. Et c'est chose faite, on est rentré au match quand vous voulez. Et c'est super, c'est fabuleux. Moi, je suis là depuis la Nationale 2. On est en proie maintenant, c'est super. T'es né à Poitiers. Ouais, je suis né à Poitiers, ouais. Qu'est-ce que ça représente? C'est quelque chose d'hallucinant. Il y a quelques années, vous étiez en Nationale 1. Certains joueurs ont connu la Nationale 2 avec Poitiers. Ouais, ben moi j'étais en National 2 avec Yann Devea notamment. C'est fabuleux, il y a un engouement, il y a des gens. On vibre au basket maintenant à Poitiers, c'est super. On fait un match fantastique aujourd'hui, on défend comme des morts de chat. C'est super. Et c'est une équipe qui a grandi ensemble véritablement, qui a franchi des paliers ensemble. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence aujourd'hui. Ouais, on est vraiment un groupe. On n'a pas eu de changement de joueur de l'année, donc on se connaît. L'année dernière, il y avait déjà encore 9 joueurs. Donc bon, c'est super, c'est le travail qui paye. On va vous laisser aller prendre votre trophée de MVP, Pierre-Yves. Hein, eh ben oui, putain, comme il dit. On voit les Limoges qui saluent leur public. On a l'homme de l'Avelanais aussi. Et Pierre-Yves Guillard qui va recevoir son trophée de MVP. En attendant que Pierre-Yves ne prenne son trophée. Nous, effectivement, on a Cédric Gomez. Ça représente quoi pour toi, ça, aujourd'hui? C'est un accomplissement. Ça fait plusieurs temps qu'on s'en met ensemble avec les Français. À la club. L'année dernière, on a été déçus, mais on n'a pas joué la finale. On voulait revenir pour la gagner et c'est vraiment un accomplissement aujourd'hui. Ah, bravo, bravo, Cédric. Merci Cédric, on va te laisser rejoindre tes coéquipiers parce que le trophée de champion de France Pro B va être donné dans une seconde. Le temps pour nous de vous rappeler que la finale de Pro A, c'est pour ce soir, qu'il y a aussi la finale du championnat d'Europe féminin. On va regarder les prochains rendez-vous vite fait, parce qu'il faut se quitter vite. Voilà, donc à 19h15 en direct, France-Russie, c'est la finale du championnat d'Europe féminin. Et à 22h15 dans le Léger Différé, Villeurbanne-Orléans. Évidemment, ce sera en direct sur l'antenne de Canal+. On va se quitter avec ça. Quel bonheur, David, de lever un trophée. Un énorme coup de chapeau à Poitiers pour sa deuxième finale de suite. Remporte le trophée. On les retrouvera sur Sport Plus l'année prochaine. En Pro A, on s'est régalé. La journée n'est pas terminée. À tout à l'heure.